Retrouvez Raphaël Mesrahi tous les jours sur le Tour avec Vittel, l'eau officielle du Tour de France. Bonsoir, c'est Raphaël Mesrahi pour ITélé sur le Tour de France. Et aujourd'hui, on est sur une étape du Tour de France. Et fin de compte, les vélos sont passés par là, ils ne sont pas complètement arrêtés, c'est Carcès. Et là, figurez-vous, j'ai rencontré Laurent Gérard. Voilà. Alors ? Eh bien, en exclusivité. Oh, mais j'espère que ce n'est pas de l'alcool. Non, ce sont les analyses de celui qui a eu le meilleur grimpeur. Ah. Donc, alors, normalement, il devrait être à poids, ouais. Comme son maillot. Ouais. Mais finalement, il est distillé. Ah, donc c'est ça la couleur du meilleur grimpeur. C'est ça la couleur du meilleur grimpeur, ce qui est un peu embêtant parce que... Une belle couleur, le meilleur grimpeur. Non, vous allez quand même pas... Ah non. Non. Mais non. On comprend pourquoi il a gagné. Hein. Et le Tour de France, c'est votre truc ou pas, Laurent Gérard ? Moi, j'adore le Tour. Ça, je vous ai vu, vous étiez sur l'arrivée. Oui, il faudrait quand même qu'il y en ait un qui le fasse sur un Vélib. Juste pour voir comment ça fait, quoi. Parce que un vélo qui fait... 26 kilos, c'est... Là, il y a un vrai effort, quoi. Mais c'est vrai, c'est pas tellement aérodynamique, les Vélib. Non. Mais pour Paris, on s'en fout. Ouais, c'est vrai. Bon, ben voilà, c'était Raphaël Mesrahi et Laurent Gérard, en direct de... légèrement différé de Carcès, petite et ville... On cherche du travail sur le Tour de France. Voilà, donc si... Voilà. Si... Vous voulez venir sur ITélé ? Non, c'est Canal+. Ça m'intéresse pas. Retrouvez Raphaël Mesrahi tous les jours sur le Tour avec Vittel, l'eau officielle du Tour de France.